avertir la défense que vous entendez requalifier, et surtout ne pas rajouter des faits, ce qu'ils vous demandent de faire en réalité. Et là, je renvoie par exemple au paragraphe 97 du mémoire des procureurs ou à la note de bas de page 261 du mémoire des parties civiles. Et pourquoi c'est aussi facile pour l'accusation de vous demander de requalifier à votre guise? C'est parce qu'ils vous abreuvent tellement de faits qu'ils ne prennent pas la peine de qualifier juridiquement, d'ailleurs, ils se contentent de la qualification globale, que finalement, on vous dit, messieurs de la Chambre, monsieur le Président, vous avez carte blanche, vous pouvez écrire l'histoire. Parce qu'après tout, ce procès, ce n'est pas tellement celui des accusés, c'est celui du Kampuchea démocratique. Alors servez-vous dans les faits que nous vous livrons, et puis condamnez. Du moment qu'il y a des faits qui auraient été évoqués devant la Chambre ou qui figurent quelque part dans une déclaration écrite, tout est bon. Et tout est bon parce qu'en plus, on s'est assuré de faire entrer en masse des déclarations venant des dossiers 3 et 4. Donc là, dans la masse, vous allez bien trouver de quoi condamner. Et comme je vous l'ai dit, l'accusation vous demande de faire son travail, qui était de faire le tri en déterminant quel fait correspondait à quelle qualification juridique. Ils n'ont pas vous demander que vous dire au passant, au détour d'un paragraphe ou d'une note de bas de page, que vous pouvez éventuellement requalifier. Alors je le répète, les seules accusations retenues au terme de l'ordonnance de clôture sont celles qui correspondent nécessairement aux faits dont les procureurs ont saisi les juges d'instruction. C'est eux, encore une fois, qui déterminent le champ de l'accusation. Et c'est pourquoi c'est inadmissible de la part de l'accusation, eux qui ont défini l'étendue des accusations et qui ont la charge de rapporter la preuve de la culpabilité des accusés pour ces accusations et ces accusations seulement. C'est inadmissible de vous livrer des faits en vrac et en vous disant « débrouillez-vous pour qualifier comme il se doit pour condamner ». Alors je parlais du fruit de l'ordonnance de clôture, une ordonnance de clôture qui est pleine de méandres. Et c'est vrai qu'il est facile de s'égarer dans les méandres d'une ordonnance de clôture qui fait 790 pages si on compte les notes de fin qui référencent un nombre incalculable d'éléments, de preuves, de déclarations, etc. Et on touche là un des grands paradoxes de ce tribunal. Et là, je renvoie à la jurisprudence Perlich que je vous citais tout à l'heure. Donc, le paradoxe de ce tribunal qui est qu'on veut dire l'histoire. Mais vous n'avez pas de mandat d'historien, vous avez des mandats de juge. But the problem is you don't have a mandate of historians, you have a mandate of judges. Et l'accusation non plus n'a pas de mandat d'historien. And the prosecution also does not have a mandate of historian. Alors le péché originel, comme je vous l'ai dit, il date the original sin, as I said, goes de l'instruction. Back to the investigation. Il date de l'instruction et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de développements qui n'avaient pas à figurer dans cette ordonnance de clôture parce que finalement, les faits n'ont pas été renvoyés, devant votre chambre. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis, c'est le juge d'instruction international de l'époque, Marcel Lemonde, qui dans son ouvrage sur le tribunal a dit ceci, que dans l'ordonnance de clôture étaient évoqués des faits, je cite, facts were brought up, and I quote, sans doute pas absolument indispensables, mais qui leur ont paru importants pour le cas où l'ordonnance de clôture resterait la seule trace laissée par ce tribunal sur ce qui s'est passé au Cambodge entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Fin de citation. Sans doute pas absolument indispensable. Ça veut dire, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, qu'il faut être d'autant plus vigilant lorsque nous examinons cette ordonnance de clôture. Ça veut dire que dans le tri des faits qui doivent ensuite faire l'objet d'une qualification juridique, vous devez être d'autant plus vigilant. Et l'accusation aurait dû être d'autant plus vigilante. Alors non, Monsieur Kesampan n'est pas poursuivi pour tous les faits survenus au Cambodge entre 1975 et 1979.
everything that happened in Cambodia between 1975 and 1979. Et donc, compte tenu de ce que je viens de dire sur l'ordonnance de clôture, il y a une méthode à suivre, ou plutôt un chemin à suivre dans les méandres de cette ordonnance de clôture pour un procès pénal et non pas un document d'histoire. Criminal trial and not a historical. Et c'est seulement les seuls faits matériels retenus dans la qualification juridique qui est susceptible de, d'engager la responsabilité pénale des accusés. Seulement les faits retenus. Et pour savoir quels étaient ces faits matériels reconnus, il faut faire parfois un détour. Parce que parfois, effectivement, la qualification juridique est assez lapidaire. Hein, en fin de cette ordonnance de clôture, il faut remonter à la partie factuelle pour savoir quelles sont les dispositions pertinentes de la partie factuelle de l'ordonnance de clôture. Oui, les dispositions pertinentes, puisque le juge d'instruction internationale vous expliquait qu'il y a des choses qui étaient mises qui n'étaient pas nécessaires. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'intéresse à la substantifique moelle de ce qu'était l'accusation pour savoir de quoi exactement vous avez le droit de vous saisir au moment de votre délibéré. Des détours aussi par les réquisitoires introductifs et supplétifs, puisque comme je vous l'ai dit, c'est l'accusation qui a délimité les charges contre les accusés. Et en vertu du règlement intérieur, les juges d'instruction ont instruit sur des faits qui normalement étaient des faits qui ont été préalablement identifiés par les coprocureurs. Et le problème, c'est que nous avons eu, devant cette juridiction, des juges d'instruction qui ont instruit sur des faits dont ils n'étaient pas saisis et sur, quel, et sur lesquels la Chambre, par conséquent, a été irrégulièrement saisie. Et quand je dis ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le règlement intérieur. Hein, c'est la règle 55.2 du règlement intérieur qui explique que les juges d'instruction sont tenus d'instruire sur les seuls faits visés par le réquisitoire introductif ou un réquisitoire supplétif, à règle 55.2 du règlement intérieur. Et la jurisprudence, elle est limpide en droit français et également dans le droit cambodgien qui en est largement inspiré. Et d'ailleurs, une cour d'appel française a expliqué dès 1962 que les tribunaux ne peuvent statuer que sur les faits mêmes ayant fait l'objet du renvoi, les prévenus ayant un droit certain à n'être jugés que sur eux et uniquement sur eux. Et c'est pour ça que ce rappel était nécessaire, et nous l'avons fait dans notre mémoire, paragraphe 59 à 153, il était nécessaire de rappeler les règles de la saisine de votre chambre. Et je dois dire que ce rappel était d'autant plus nécessaire que nous avons eu, au fil de ce procès, des décisions un peu incompréhensibles de la Chambre, malgré les objections de la défense. En effet, à plusieurs reprises au cours des débats, la Chambre a autorisé les parties à évoquer un petit peu, bien rapidement, bien de façon générale, sans entrer dans les détails, des faits dont elle savait qu'elle n'était pas saisie. Pourquoi vous avez autorisé cela, je n'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas juger ni un petit peu, ni rapidement, ni de façon générale, sans entrer dans les détails, sur des faits dont vous n'êtes pas saisie. Vous ne pouvez pas le faire. The chamber cannot do this. Et pour prendre un exemple parlant, parlons de la question d'Ekmercrom. La question d'Ekmercrom, pour moi, elle illustre tout à fait le problème qu'il y a eu devant cette juridiction. Et je vous en parle parce que l'accusation, également les parties civiles, tente de vous faire juger des faits relatifs au Ekmercrom en tant que groupe. Are trying to have you look at, et le plus souvent en tant que groupe assimilé au groupe vietnamien. Group, les procureurs ne peuvent pas ignorer que les Khmer Krom ne font pas partie des charges. Clearly, et pourtant, au paragraphe 31 de leur mémoire, ils vous parlent de
du ciblage de Khmer Krom parce qu'ils étaient d'un territoire qui était aux frontières du Vietnam. They were et puis ils y reviennent régulièrement dans leur mémoire. And then paragraphe 295, 364, in their brief. 621, 694, 621, 791, 821, 821, 897, 897, 821, 821, 924, 964, 966. Ça fait beaucoup de chiffres. Ça veut dire que ça fait beaucoup de fois où les procureurs font référence à des faits qui ne sont pas dans le champ de votre saisine. Les parties civiles ont été plus subtiles que l'accusation relativement au Khmer Krom. Mais en même temps, elles les votent quand même au paragraphe 220 de leur mémoire. Alors, nous avions anticipé ce point, et dans notre mémoire, je vous renvoie au paragraphe 157 à 170 de ce mémoire, nous vous avions expliqué qu'à l'instar des juges d'instruction, vous n'êtes pas saisi de faits concernant les Khmer Krom en tant que groupe. Et les procureurs, ils le savent parfaitement, ils tentent d'étendre les accusations, notamment, encore une fois, par l'introduction de déclarations écrites à ce sujet obtenues dans le dossier 4, qui concerne spécifiquement le Khmer Krom. Et je rappelle à ce sujet que lorsque les admissions en preuve ont été faites du côté de l'accusation, du côté de l'équipe de Kyusampan, nous étions objectés en disant on ne veut pas que ces déclarations écrites entrent en preuve. Ça ne fait pas partie des accusations dont est poursuivi M. Kyusampan. Et petit rappel, quand même, c'est important de faire un rappel de la procédure pour savoir à quel point les procureurs savent qu'ils ne sont pas, que vous n'êtes pas saisi pour ça et que les accusations de départ ne concernent pas les Khmer Krom. C'est que eux auraient pu, dans le cadre de l'instruction, demander l'étendue de la saisine, demander de faire un réquisitoire supplétif pour dire qu'il fallait introduire les Khmer Krom, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, et d'ailleurs, dès l'instruction, on leur a rappelé au procureur. Et là, je renvoie à une décision des juges d'instruction, des 250-3-3-3, au paragraphe 7 et 9, c'est une décision en date du 13 janvier 2010, les magistrats instructeurs, ils ont rappelé avoir été, et je cite, saisis du traitement réservé aux Vietnamiens vivant dans les provinces de Prevang et Svay Rang et aux Vietnamiens lors d'incursions au Vietnam. Et non pas des crimes qui auraient été perpétrés à l'encontre des Khmer Krom vivant dans la province de Pursat. Fin de citation. Et ils ont ensuite rejeté toutes les demandes des procureurs en disant qu'elles avaient pour objet l'exécution d'actes d'instruction supplémentaires sur des faits qui ne relevaient ni du réquisitoire introductif ni d'un réquisitoire supplétif. We're not in the introductory nor in the supplementary submissions. Et là, je m'arrête un instant parce que c'est intéressant ce qui est dit par les juges d'instruction. Notez ici qu'on parle de la zone géographique sur le traitement des Vietnamiens. C'est Prevang et Svay Rang. Et je note ça ici parce que lors des réquisitions des coprocureurs, on a entendu parler de tout sauf de Svay Rang et de Prevang. Pourtant, c'est les seules localités où these are the only areas. Ils ont demandé à ce que les magistrats instructeurs enquêtent et finalement qui ont été renvoyés devant votre chambre. J'en reviens au Khmer Krom. I come back to the Khmer Krom. Non seulement les procureurs ont su ou ont été rappelés par les juges d'instruction que les Khmer Krom ne faisaient pas partie du champ du procès, mais également en 2010, la chambre préliminaire leur a dit. Et leur a dit en répondant à l'argument qu'ils vous présentent aujourd'hui, qu'ils ont pu présenter au cours de la procédure, à savoir, oui, on a besoin de cette preuve relative au Khmer Krom pour pouvoir prouver l'intention génocidaire vis-à-vis des Vietnamiens. Et voilà ce que disait M. le Président, messieurs de la Chambre préliminaire, le 27 avril 2010.
So on the 27th of April 2010, here's what the pre-trial c'est au paragraphe 41 de sa décision D250/3/2/1/5. Et aussi celle que je vais citer au paragraphe 60 de la même décision. I will be quoting in paragraph 60 of the same decision. Comme indiqué plus haut, as is indicated, conformément au droit applicable au CETC, in accordance c'est with the law uniquement applicable to the ECCC, au coprocureur qu'il appartient de déterminer la portée de l'instruction. Et la chambre préliminaire n'a pas à épiloguer sur le fait de savoir si leur décision à cet égard peut avoir une répercussion sur leur capacité à prouver ce qu'ils avancent au sujet des allégations de génocide visant le groupe vietnamien porté à l'encontre des personnes mises en examen. La chambre préliminaire dit ça. Nous n'avons pas à épiloguer sur le fait de savoir si cette décision a une incidence, puisque c'est le procureur dès le départ qui déterminait quel était le champ des accusations. Go back after the fact and read. Et bien vous non plus, vous n'avez pas à épiloguer dessus. Cette décision aussi, elle est intéressante parce qu'elle donne bien la méthode pour permettre de déterminer s'il y avait un doute, puisque c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous avons quatre mémoires de parties. We have four briefs from partie the civile, accusation, équipe de Nusha, équipe de Kyosampan. Et quand on fait le listing des charges, personne n'a jamais les mêmes. C'est quand même extraordinaire qu'en 2007, on se trouve dans cette situation quand même. Ça veut bien dire qu'il y a un problème dès le départ et qu'il faut être vigilant. Et la seule méthode, comme l'a rappelé également la chambre préliminaire, c'est de voir quel était le point de départ. Et le point de départ, c'est le réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs de l'accusation. The starting point, and that is et the en plus, comme l'a rappelé la décision de la Chambre des juges d'instruction, on parlait sur les Vietnamiens de la zone Est, Trevang et Sveriang, c'est tout. The East zone, in même si on a mentionné d'autres faits, ils even étaient saisis de ça et ils ne pouvaient renvoyer que pour ça. And they can be judged only for this. Je reprends la suite de ma chronologie sur la question des Khmer Krom. Le 17 octobre 2014, lors de déclarations liminaires dans 2-2, Madame la coprocureure nationale n'a pas hésité à soutenir que l'accusation allait démontrer que les Khmer Krom avaient été ciblés. Ah, on ne comprend pas. Comment veut-elle démontrer des faits dont la Chambre n'est pas saisie? Et d'ailleurs, apparemment, ce n'était pas très clair pour la Chambre au départ, puisque le 12 février 2015, au début des audiences au fond, vous avez rendu, par la bouche de M. le juge Lavergne, une décision qui était assez incompréhensible, puisque vous disiez que on pouvait, que vous auriez à vous prononcer sur cette question plus tard et que le traitement des Khmer Krom doit être considéré comme faisant partie du groupe des Vietnamiens, à savoir les Vietnamiens de nationalité vietnamienne ou ceux qui étaient perçus en tant que Vietnamiens. Donc vous disiez que vous alliez devoir trancher cette question plus tard. C'est ce qui avait amené le 5 mars 2015, la défense de Nguyen Chi a demandé une clarification. Et enfin, en mai 2015, vous avez rendu une autre décision différente, plus claire, celle-là. Et puis, vous aviez dit, c'était par la bouche, votre bouche, Monsieur le Président, à l'audience du 25 mai 2015, que la question du traitement des Khmer Krom, en tant que groupe spécifique, n'est pas visée dans la prévention, que ce soit du chef de persécution comme crime contre l'humanité ou de génocide. Vous l'avez bien dit. Et je sais que je dois parler. Please slow down, veuillez ralentir un petit peu. Les interprètes n'arrivent pas à vous suivre. Veuillez ralentir quelque peu la cadence pour faciliter la tâche d'interprète. Je vais essayer de le faire. Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser. Vous savez que quand je commence à m'emporter, j'ai tendance à oublier le flow important de mon débit. Donc, dans cette décision du 25 mai 2015, vous aviez bien rappelé que
vous demandiez aux parties de se concentrer sur la présentation des éléments de preuve en lien étroit avec le procès et que la question du traitement des Khmer Krom ne faisait pas partie de votre saisine. C'était clair. Alors pourquoi est-ce que je rappelle tous ces éléments de procédure ? C'est un peu long, c'est vrai, le droit, c'est compliqué, c'est rébarbatif, mais en même temps, c'est là-dessus que vous allez trancher. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Et parce que l'accusation persiste et signe, malgré la décision de la chambre préliminaire, malgré la décision antérieure des juges d'instruction, malgré votre décision de 2015, l'accusation persiste et signe dans son mémoire et vous demande de trancher sur des faits relatifs au Khmer Krom. Alors évidemment, du côté de la défense de Khieu Samphan, on vous demande de vous en tenir à votre dernière décision qui était limpide. Les Khmer Krom ne font pas partie du procès de deux, point final. Et on n'est pas là pour pallier au manquement de l'accusation si elle estime que c'est nécessaire pour prouver le traitement vis-à-vis des Vietnamiens. Un autre exemple qui est quand même extrêmement parlant de ces dépassements de saisine que l'on vous demande de l'autre côté de la barre, c'est les viols hors la consommation du mariage. Là encore, une petite chronologie s'impose. Je rappelle que au cours de l'instruction, l'accusation avait pris un réquisitoire introductif, c'était en 2007, où il y avait des faits de viol dans un seul endroit, à Pré-Tampong, Ampil. C'est tout. C'était paragraphe 56 du réquisitoire introductif. Aucun autre fait localement n'avait été identifié, et en 2009, il y a eu un réquisitoire supplétif sur les viols dans le cadre de la consommation des mariages. Rien d'autre. Aucun autre réquisitoire supplétif sur des faits de viol ailleurs. 2010, ordonnance de clôture, renvoi en jugement. Dans leur ordonnance de clôture, alors qu'ils n'avaient au départ été saisis que de ces faits dans cette localité déterminée, les juges ont quand même enquêter ailleurs. Et malgré ce dépassement de cette saisine, même s'ils sont allés enquêter ailleurs, alors rappelons qu'ils ont illégalement enquêté sur ces faits, puisqu'ils n'étaient pas saisis par les co-procureurs, mais même en allant enquêter ailleurs, ils n'ont pas été en mesure d'établir des viols à l'endroit sur le site, ni ailleurs. Ils en sont arrivés à la conclusion, qui est la raison pour laquelle nous ne sommes pas poursuivis. Monsieur Khieu Samphan n'est pas poursuivi pour des faits de viol en dehors de la consommation du mariage. Ils sont arrivés à la conclusion, et là, vous le savez, c'est dans l'ordonnance de clôture, paragraphe 1426 à 1429, en vous disant, je cite, la politique officielle du PCK en matière de viol était de prévenir ce crime et d'en punir les auteurs. Même si de toute évidence, cette politique n'est pas parvenue à empêcher les viols, il ne peut être considéré que le viol était l'un des crimes utilisés par les dirigeants du PCK pour mettre en œuvre le projet commun. Fin de citation. Et ils vous disent cela après avoir illégalement enquêté sur des faits dans les centres de sécurité à Krang Tachan, dans la zone nord, etc., etc. Et donc, les juges d'instruction ont décidé de ne pas renvoyer les accusés en jugement pour ces faits. Les coprocureurs n'ont pas fait appel de cette décision. Ils auraient pu. Je rappelle d'ailleurs que dans le cadre de l'instruction, seule l'accusation a la possibilité de faire appel. Pas les accusés qui ne peuvent faire appel que sur des questions en rapport au principe de l'égalité. Et nous y reviendrons plus tard. C'est une incidence importante sur les autres développements que j'ai à faire. Donc, la Chambre. Les juges d'instruction, plutôt, ne renvoient pas pour ça. La Chambre n'est donc pas saisie de faits de viol en dehors du contexte du mariage.
cases of rape outside of marriage. Et malgré cela, en août 2014, dans votre jugement 2-1, vous avez évoqué des faits de viol facts of rape, au paragraphe 128, in paragraph au paragraphe 489 ou au paragraphe 1146 de votre jugement. And other paragraphs of your decision. En évoquant à la fois des viols dans le cadre du mariage, dont vous n'étiez pas saisi dans 2-1, mais également de viols en dehors du mariage, dont vous n'étiez pas saisi tout court. Seized of at all. Et on vous demande aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, de ne pas commettre la même erreur et de bien vous rappeler, Your Honors, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé dans une décision récente, dont les parties civiles avaient fait appel et qui a pourtant été validée par la Cour suprême, à savoir que vous n'êtes pas saisi des viols en dehors de la consommation des mariages. Of cases of rape. Et pourquoi je dis ça? And why am I saying Parce que du côté de l'accusation et du côté du des parties civiles, Because, from the point of view on of the vous évoque civil parties, des faits de viol en dehors de la consommation du mariage. That relate to Dans leur mémoire, il y en a. Exemple, mémoire des parties civiles, example, note de bas de page 261, on vous parle de viol à Tramcock. Note de bas de page 566 de leur mémoire, on vous parle de viol à Krang-Tachan. On vous parle également, et puis non seulement on vous parle de ces viols, mais on vous les liste comme faisant partie des poursuites. Ça ne fait pas partie des poursuites. Si ces viols n'ont pas eu lieu dans le cadre de la consommation du mariage, ça ne fait pas partie des poursuites. Ensuite, les parties civiles évoquent Then des viols à Tramcock, paragraphe 218, 225 Tramcock, de leur mémoire, et également dans le cadre du traitement and des Vietnamiens, paragraphe 836, 872 à 874 et 912. And 912. Vous ne pouvez pas prendre ces éléments en compte dans le cadre you de votre délibéré, ça ne fait pas partie de votre elements. Saisine. Or this evidence Ce n'est pas dans le champ du procès. Because they are outside of the scope of this trial. Et alors, plus étonnamment, les viols hors champ sont évoqués également dans le mémoire des coprocureurs. These rapes that are outside Et là, c'est en contradiction avec toutes leurs écritures, parce que moi, je me souviens que quand il y a eu l'appel des parties civiles de votre décision devant la Cour suprême, ils ont fait un très beau mémoire, extrêmement circonstancié, en expliquant pourquoi les viols hors mariage ne faisaient pas partie de votre saisine, que les accusés n'étaient pas poursuivis pour ça et que c'était très clair. C'était si clair, pourquoi est-ce que dans leur mémoire, ils en parlent? Et donc, ils en parlent au paragraphe 664 de leur mémoire finale, au paragraphe 809 sur S21 et Krang-Tachan. Donc ce sont les mêmes coprocureurs qui ont fait des leçons de droit aux parties civiles pour dire que le viol hors mariage n'était pas objet des poursuites, mais qui quand même en parlent dans le cadre de leur mémoire finale. Allez comprendre. Et puis, alors là, c'est le pompon, excusez-moi, encore une expression française, c'est le summum. On vous dit, comme ça, au détour, que bon, c'est vrai, vous n'êtes pas, ça vient que vous n'êtes pas saisi de viol. Alors c'est vrai, vous n'êtes pas saisi du viol, mais quand même, ben, vous pouvez requalifier, hein, allons voyons. Ça peut être de la torture, en fait. Puisqu'il y a une qualification juridique qui est retenue au terme Since de l'ordonnance de clôture de torture, alors ça met tout ça, torture, hein, après well, tout, why not apply torture. Il suffit de trouver une case. Hein. All that's necessary is just to find the right box, Ce n'est right? pas comme ça. Et But c'est pour ça, Monsieur le Président, this is why, Monsieur le Tribunal, que j'ai pris le soin de rappeler quelle était la procédure, en vous rappelant recall what que vous étiez saisi de faits, et non pas de qualification juridique. Il ne s'agit pas pour l'accusation de venir vous dire, ah ben, ces faits-là, vous n'étiez pas qualifiés juridiquement. Alors, ben, ils sont intéressants parce que nous, ça nous aide à condamner, enfin, à vous demander la condamnation. Alors, mettez-les sur ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Alors, so, je sais que le viol, c'est quelque chose qui est porteur. That, hein, dans le cadre de l'accusation, c'est toujours bien de mettre ça en avant, mais dans ces cas-là, il fallait faire appel de l'ordonnance de clôture forth, ou faire des réquisitions, un réquisitoire supplétif un peu avant dans le cadre de l'instruction, mais vous ne pouvez pas demander en 2017 une requalification de faits de viol ou torture. Facts of rape and of torture. This is not possible, simply speaking. Et puis je passe sur now, les problèmes de valeur probante, I'm not even sur speak les about faits the issues of à l'appui, je vais pas revenir dessus, value, I'm not going to get back to this. L'équipe de Nunchia en a parlé un peu, mais d'ailleurs, on n'aurait même pas dû en parler, puisqu'on n'était pas poursuivi pour ça. Mais en tout état de cause, en plus, non seulement c'est hors champ, mais en plus, c'est essentiellement des déclarations écrites à faible valeur probante. Dans le mémoire des coprocureurs, have low probative value. Dans le mémoire des coprocureurs, they mention viol en dehors these rapes out.